un épisode d'Amnesia The Dark Descent, la suite de l'aventure. On s'en rappelle, il y a un monsieur à moitié à poil qui nous a demandé de faire des trucs, mais je sais plus quoi. Du coup, attends, regardez mes mementos, c'est vrai qu'on a le memento. Non mais qu'est-ce qu'il a mon ordi là? Il a du mal aujourd'hui. Je cherche une note écrite par un homme appelé, je vois de meilleur. L'orbe brisée, c'est... Ok. Ok, il y a trop de trucs partout. Et lui, il veut une note, quoi. En gros, il veut qu'on cherche de la lecture. On va dire que c'est ça, quoi. Lui, c'est la lecture. Sachant qu'il a été capturé par Agrippa, et donc... C'est pas Agrippa, non. Agrippa, c'est lui, il a été capturé par Alexander. Et il s'est fait torturer juste après. Si je dis pas de bêtises, c'était... qu'on allait avoir. Par contre, ça bug trop. J'espère que ça va pas être ça tout le temps. Parce que si ça bug comme ça, c'est trop chiant. Hein. Pas que pour vous, hein. Pour moi aussi, hein. C'est chiant pour jouer. Déjà, je sais pas si Machine for Pigs, je le fais en stream parce que bon, il est quand même plus puissant que ça, quoi. Et puis la dernière fois, ça avait full bug. Donc, je testerai un coup une autre fois, sinon je ferai un plan B d'aventure. Ok. Putain mais oh c'est trop chiant ça part. Ça bug tout le temps comme ça. Attends, ça fait combien de temps là que je stream? 5 minutes. 5 minutes que je stream, enfin que j'ai commencé l'épisode quoi. À peu près. Sans le stream ça fait 10 minutes. Ouais, ça risque d'être un petit épisode hein. Qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Il va bien? Oh non, il va pas bien. Hein. Bon, allons au presbytérium. Espérons que ça fasse débugger mon ordi là. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, c'est compliqué ce qui se passe en ce moment là. ...20h47, oh là là. Allez. Bon, le chargement est terminé. On peut y aller tranquillement. Let's go. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? What? Non, c'est bien. C'était bien ce. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était vraiment mon écran qui avait ça. En fait, non, évidemment. C'est bien fait, hein, l'illusion. J'ai cru pendant une seconde. Je me suis dit, mais attends, mais oh, je les aurais quand même vus. Mes premières nouvelles, mon appart sera infecté. Enfin, infecté, infesté. Où est-ce que je suis? Je pense qu'il faut aller tout droit. Il y avait le monstre. Mais je vois pas comment j'aurais pu aller à droite. Et qu'est-ce que c'est que ça? Putain, c'est la quatrième dimension là. Le piédestal. Ok, il faut les boules de cristal. Yes. Pardon.
piédestal à un creux que un orbe pourrait rentrer. Mais merci, j'ai bien compris que les orbes, c'est important, connard. Ok, bah super. Allez, on avance. Du coup, à gauche, la porte est ouverte. Et à droite. Qu'est-ce qu'il y a à droite? Curieux. À droite, il y a l'air d'avoir rien. Oh, la note. Peut-être de la note du mec? Ah non, c'est la note. Mince. C'est pas ça qu'il va faire, c'est ça. Journal intime. Merci quand même. Journal intime. Le rituel d'exil dure plus longtemps que prévu. Nous devons faire ce qui est nécessaire. Je passe mon temps à aider les prisonniers. Être autour de ces dégénérés me rend malade. Aucun d'entre eux n'essaye de faire face à sa punition. Avec ne serait-ce qu'un peu de dignité, ils me charrient avec leurs mensonges sur leur supposée innocence et leur lâche appel à la pitié. Qu'est-ce qu'on peut inciter un homme à tomber aussi bas dans une société civilisée et dans tout ça? Ils sont tous mauvais, je me rappelle constamment, je remercie que tout de même Dieu d'avoir envoyé ces hommes sur notre chemin qui servaient d'instrument à mon salut. J'essaie d'étudier les différents objets qui sont dans la chambre de torture et d'appréhendre à les utiliser efficacement. La dernière fois fut un désastre à l'effet qui ne s'en est rien sorti à cause de mon manque d'expérience. Quoi? Hein? Ok. En gros, bah, il a eu son rituel et il a fait des choses. C'était pas forcément ce qui était bien, quoi. C'est ça l'histoire? Le goudron. Ok, je pensais mettre le goudron dans le fiole. Qu'est-ce que c'est que ça, en fait? Enfin, la viande, ouais. Okay, c'est juste de la viande. Je me suis dit, ouais, est-ce que c'est une viande spéciale? Je peux mélanger avec une autre viande spéciale. En fait, non, pas du tout. Y a pas ça à faire. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un marteau. Putain, la sueur brillante, ça me donne envie de la prendre, mais ça sert à rien. Ok, il faut aller par là après. Et qu'est-ce qu'il y a par ici? Je ne sais pas. Peut-être la salle des machines numéro 2? Oh, il y a du bruit, hein. Ok, attends, je vais baisser le son de mon côté là. Ça me fait un peu mal aux oreilles quand même. C'est pas mon kiff, hein, ça veut pas bouger. Pourquoi ça veut pas bouger? Ah, c'est de l'autre côté. Ok. D'accord. Bah, allons là où il y avait le monstre, hein. C'est quand même la meilleure chose à faire, je pense. Concrètement, par contre, c'est sympa, hein, ça change complètement. Là, on se croirait chez Scar. Ou chez une attraction Disneyland. Chez une attraction. Dans une attraction Disneyland plutôt. Un journal intime? L'orbe brisé. Tout est perdu. Je dois encore tout recommencer depuis que j'ai récupéré l'orbe. L'orbe, pardon, trouvé par agrippage. J'en suis devenu dépendant. Au cours de mes recherches, l'incident avec Wilhelm m'a rendu plus impétueux, craignant une pénurie de prisonniers. J'ai poursuivi le rituel final sans le moindre discernement. L'orbe s'est fissuré en 6 morceaux. J'ai tout essayé, mais je n'ai pas encore réussi à réparer la chose. Avant que je parvienne à trouver une façon de le rapiécer. J'aime en trouver une autre, même si l'orbe n'est pas restaurée. Les pièces sont toujours vivantes, je pourrais peut-être récupérer quelques-uns de ces pouvoirs pour d'autres projets. Plusieurs sacs sont écoulés, je commence à me demander si je pourrais revoir mon amour. Combien de temps est-ce que... Quoi? Quoi? Il y a un mec immortel dans l'histoire? Ok. Étrange. Appelons le génie d'Aladin. Ça marche pas. Ça marche pas, ça dégoûte. Ah, y a quoi ici? Ok. Ramasser de l'huile. Yes! Y a rien. Ok, super. Mais ça servait à quoi d'aller là? C'est nul à chier ici. Bon bah revenons à nos... J'ai raté un truc là-bas, non?
Ok. Commence à mal me parler à moi. Hein. Je sais pas ce que j'ai fait. Est-ce que j'ai amené un pote et le pote? Ah non, je demandais de l'aide, je suis con, c'est Alexander. C'est Alexander qui se dit, ouais, quand même, t'es un connard. Tu m'as envoyé une lettre pour que je t'aide et c'est comme ça que tu me remercies en laissant vouloir me tuer. C'est peut-être ça l'histoire. Hein. C'est peut-être moi qui est fou depuis le début. Je devienne fou. C'est peut-être ça l'histoire. En tout cas, il avait l'air pas très content que je sois là, quoi. Ouais, ça va, hein, c'est plutôt cool. Bon, par contre, le temps de chargement, quand tu veux. Hein. C'est long. C'est très très long. Ah, merci. Est-ce que le jeu, il... Ouais, il tourne. J'ai eu peur que juste ma tête et rien d'autre. Ok. Sounds from the torture chambers are shuttled in through those pipes in the ceiling. Manage your victims well, and let one prisoner's pain instill terror in his cellmate. Ok, donc c'est-à-dire qu'à un moment j'ai participé activement à des tortures. Ok, bon délire. Très bon délire même. Putain, mais oh. Pourquoi c'est la gotant hein. Ça, Gata, le jeu est déjà moche, tu. Et tu peux déjà. Tu bug déjà. Putain, ça dégoûte. Ça me fait chier. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Parce que bon, j'ai déjà été tout à l'heure, mais. Ça se trouve, les events, ça a goûté des trucs. Rien du tout. Attends, je vais voir Agrippa. Peut-être qu'Agrippa, il a un truc à me dire. Agrippa! Attends, Agrippa, attends, j'ai encore 2-3 trucs à regarder. Et après ça, je sais pas quoi faire après. Après ça, je serai perdu dans le jeu. Allez, grippe pas. Ah oui, c'est vrai que c'est devenu ça. Non, je peux pas m'approcher de toi, sinon je vais me faire piquer. Là, c'est la torture, ok. Ta gueule. Je pense qu'il est vraiment détestable, hein. Je pense que personne l'aime. Il y a un problème quelque part chez lui. À tous les coups, il a un souci hein, dans la tête. Il y a quoi par là? Déjà, il y a ça. Je peux casser les planches? Ça ne bougera pas. Ok. Y'a quelque chose par ici, y'a pas l'air d'avoir de grand chose quand même. Ouais, y'a rien en fait. Donc ça va. C'est pas très compliqué là pour l'instant. Des petites chaînes, hein, des petites chaînes, allez. Des petits bruits de chaîne, moi qui flippe, c'est ça? Ça va, il est juste mal au crâne, c'est bon. Je vais pas claquer beaucoup sur ça quoi. En plus c'est vrai, j'ai de la viande et du saut de goudron. Hein. Je voudrais faire un truc avec ça, hein. Un saut en bois et rempli de goudron. Là. Pourquoi ça me sert d'avoir de la viande et du goudron? C'est la vraie question. Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai du goudron? C'est quand même cocasse. C'est quand même rigolo. Ouais. Ouais, mais je sais pas où aller. Hein. Attends, y a pas. Peut-être un truc à faire avec le goudron. Hein. Je me dis, ça se trouve, le goudron il sert à quelque chose. Juste, j'ai pas compris. Si je mettais le goudron sur Agrippa, est-ce qu'il me dirait un truc? On va bouffer, ça se trouve, il a faim, Agrippa.
Agrippa! Oh. Attends, je suis en train de bailler, Agrippa. Attends, j'arrive. Ça ne pouvait pas le tuer. Il n'a pas besoin de bouffer. Ok. Je peux pas jouer avec. Je peux pas m'amuser à le retuer. Ça aurait été marrant, tu vois. Ah yes. Mais tiens, j'ai un message dans le chat. Bah non, c'est quelqu'un qui s'est barré. Et Wizbot, il a fait « Ah, bienvenue dans le chat !» Bienvenue à toi, il a eu peur de Wizbot. Oh, ça dégoûte. Putain, je suis bloqué, moi. Ça, c'est peut-être le truc le plus triste hein, qui puisse m'arriver. D'être bloqué dans mon jeu. Ouais, ça va être un épisode de nul à chier hein, que je vais vous proposer. L'autre épisode, il y a un truc qui se passe par épisode, quoi. Là, c'est moi qui a trouvé de la viande. Et je suis perdu. Ne regardez pas l'épisode, hein. Là, je propose le meilleur gameplay de l'univers sur mon jeu, là. Vraiment, hein, c'est vraiment le meilleur gameplay du monde. Parce que là, je comprends pas ce qu'il faut faire. Oh. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Rien. S'il y a rien. Peut-être qu'on met de la viande là-dessus. Hein. Attends, ils disent pas qu'il faut mettre un truc. Si je mettais lui là. Pourquoi la porte était fermée là? Il y avait quoi ici? Si je mettais de la viande. Si je torture de la viande. Si je dis marteau. Ça plus ça. Ça ne fait rien. Pourquoi ça me montre ça? Pourquoi j'ai ça? Je suis perdu les gens. Je suis totalement perdu. Oi 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 oi, mais quelle terrible vie. J'ai une vie de merde là. Pour le coup, ouais. Non. On a un appui du succès. J'ai une idée. Je disais, ouais, ça, y a il faut un énorme sphérique et tout. Si j'y allais et que je mettais du goudron. Je veux dire, le goudron, ça se trouve, ça va prendre la forme du truc. C'est peut-être une astuce, hein. Oh. Ok. Je peux pas faire ça? Ok. Pourquoi j'ai fait ça alors? Ok, bah j'ai fait un truc, hein. J'ai réussi à mettre du goudron dans un trou. Après, je sais pas. Ça va être un épisode passionnant hein, que je vais avoir là. Qu'est-ce que je dois faire avec de la viande? Agrippa, il en veut pas de la viande. Tu veux que j'en fasse quoi de ma viande? Tu veux que je la fasse cuire? Oh, si je fais ça. Je peux pas la griller? La viande ne peut pas être grillée dans le jeu? Oh, ça dégoûte! Et y'a quoi à faire? J'ai une idée, si je mets un coup de caillou sur le. Sur la petite porte là. C'est passé un truc, non? Pas de cailloux. Pendant le marteau. Ça marche pas. Aucune idée de ce que je vais faire. J'ai mis du goudron. Mais ensuite j'ai fait quoi avec le goudron? J'en fais quoi? Au secours. Parce que là on a fait le tour de ce que je pouvais faire et je vois pas ce que je peux mettre. Parce que là on va dire
Bah, des choses, quoi. Oh putain, oh, j'ai du mal, hein. C'est dès que je stream, hein, dès que je stream, ça me fait bailler, c'est terrible. Pédestal et névire dépression hémisphérique sur la partie supérieure. Comment ça, les névire dépression? Oh, si ça me a saoulé, ça fait 10 minutes qu'il n'y a rien. Retournons voir les solutions. Alors. Déjà, avant de voir les solutions. C'est compliqué la vie. Hein. Écoutez, j'ai une vie hein, à côté, voilà, je réponds. Voilà. Ça fait plaisir de voir des gens contents. Alors, du coup, qu'est-ce que je voulais faire? Oui, Solus. Amnésia. Ce Dark Descent. On en est où là, nous? La prison, on l'a fait. Le presbytérium. Le presbytérium. On est bientôt à la fin. Mature, c'est lui le premier piège. Puis les barreaux cassés. Hein? Oula, ça... pas l'impression que j'ai. J'ai l'impression que ça me spoil là quand je dis que je vais dans le presbytérium. C'est après le presbytérium? Et je dois aller où alors? But c'est bien de sauver Agrippa. Étant le hall principal du cœur. Je sais pas où aller moi. Je sais pas où aller. C'est ça le problème, j'ai de la viande mais je sais pas quoi en foutre. C'est quoi la salle d'avant? C'est quoi la salle? La nef. Voilà, peut-être que si je vais dans la nef, c'est plus simple, la nef. Je m'installe mieux quand même, là, je suis pas bien. Je suis mieux là. Là c'est fermé, là, je sais plus de Badou, près des cordes. Avancer dans le couloir, milieu du fourni par la boîte de Madou. Ah bon, ça on l'a fait. Ça on l'a fait. Ok, c'est. Faut faire des choses quoi. Faut faire des choses quoi. J'ai pas forcément bien capté, mais en gros, il y a des choses à faire encore dans cette pièce et du coup, je me suis un peu avancé. Ok, j'ai juste mis de la... j'ai juste ramassé de la viande, mais du coup, il y a un truc à faire. Ok. Attends, chat uniquement quand même, s'il te plaît, chat uniquement. Merci, chat uniquement, c'est bon. Oh là là. Attends, je suis bien installé là. Oh oui, je suis trop bien là. Oh là là. Là, je suis trop bien. Oh là 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 là. Du coup, ouais, non, je suis pas à la fin du tout. Hein. Parler de quoi? Je l'écoute pas moi. Il y a un truc à faire ici. Non mais c'est là qu'il fallait faire un truc, il y avait un autre endroit. Non mais... Je vais regarder vite fait car je me suis quand même... Je vais pas regarder le spoil en intégralité quoi. J'ai vu 2-3 trucs, 2-3 petites solutions parce que bon quand même c'est... C'est pas comme si ça m'intéressait vraiment de me bloquer pendant une heure. Là-dedans, quoi. Parce que bon, à la base, je voulais juste faire une petite heure d'épisode, quoi. Mais si l'heure d'épisode, c'est juste moi qui lis des solutions parce que je suis bloqué, c'est chiant. En même temps, j'ai pas envie de passer une heure bloqué.
tourner en rond comme un con parce que je sais pas quoi faire. Ah non, oh, l'épisode nul. Attends, on va voir. Amenez la foi d'Agrippa pour marquer que les deux autres portes sont ouvertes. Oh là, quoi. Tenez du pousser la dernière porte au fond du couloir, faites-le plein d'huile. Essayez de replacer en haut. Ah oui, mais ça, il faut faire un truc avant. La trappe, mais quelle trappe? Tu mets l'interrupteur sur le côté. Alors, arrêtez avec son voyance. Également de ramener une note écrite. Ça permettra de les libérer de ces conditions. Il y a deux lourdes portes avec un crâne gravé sur les côtés. Regardez plutôt la trappe au-dessus de la table où vous avez récupéré l'huile tout à l'heure. Mais quelle huile? Une trappe. Il y a une trappe quelque part. Donc ouais, il y a une trappe en bas. Ça veut dire ça. Donc il y a une trappe là-bas et c'est la trappe que je n'ai pas vue. Ok. Oui, il y a une trappe quelque part. J'ai pas. Ça dit que j'ai pas trouvé. Hein. Peut-être une trappe en haut. Oh ok. Et comment je fais? Ça va être des petites gemmes, c'est ça? Oh non, pourquoi il y a ça? Oh, c'est chiant. Hein. Ok, donc c'est à dire que j'ai bugué pendant 20 minutes en faisant un truc que j'étais pas censé faire pour l'instant. Ça, parce que je n'ai pas vu une trappe bloquée là-haut. Ah, ok. Attends, mais ferme-la! Oh, mais ta gueule! Tu veux que je te tape? Tiens! Ah, oh, il casse les couilles, hein! Il CLC, comme on dit! Oh, là, il est beau comme ça! Attends. Oh. Non, 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 non. 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 Oh oui, là, il est bien. Non, il est pas bien, là. Oh, ça dégoûte. Ah, j'espère qu'il fallait juste faire ça. Ok. Maintenant, si j'ai compris, les leviers là-haut et après c'est bon. Ok. Ok, ok. Pas de soucis. L'épisode va s'appeler La Perdition, hein. Et après ça, si jamais j'avance plus... Quelle heure il est? 13, ok. Donc là, ça veut dire qu'il y a genre 20 minutes, 30 minutes, il n'y a rien, et après, c'est moi qui ai compris, grâce à des solutions, comment faire, la sup. Oula! Oh! Et oh! Ça a bien mangé aujourd'hui. Mais ouais, ouais, après ça va être moi qui a fait ça, quoi. Oh. Ok. Hop les, hop les, hop les. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Daniel. Comment ça je suis allé trop loin? En fait c'est le jeu, je l'ai presque fini, tu vois. En vrai j'en suis à la fin là. Je veux dire, il reste juste phase 2-3 trucs. Et en fait j'ai fini le jeu, genre c'est peut-être l'avant dernier épisode quoi. Il y a
Il reste peut-être 3 heures. Du coup, quand même, ça veut dire quand même qu'on est bientôt à la fin. Ça, c'est beau. Mais bon, je sais pas combien d'épisodes il y a au total. Il y aura combien d'épisodes au total? Quoi, transept? Ok. On peut aller au transept si on veut. Mais je vais voir ce qu'il y a d'autre que le transept. Est-ce que je peux mettre de la viande là-dessus? Ah, fallait faire ça! Ok, bah, très bien. Hop là. Je pense que j'ai attiré le monstre de l'eau. Et après, je vais devoir retirer. Ça va, est-ce que j'ai un Bouddha, c'est ça? Est-ce que je peux pas le faire moi-même? Je veux juste l'os. Ok, j'ai eu un nonos. Trop bien. Ferme-la en fait. Ok. J'en ai plein. Hein. J'ai de la boîte d'Amadou. La boîte d'Amadou a plus quoi en foutre. Hein. Ripa guide Veilleur. Veilleur me provoque depuis l'autre monde. Je lui confie la véritable raison des efforts. Il insiste encore à ce que je relâche Agrippa. Un homme si intelligent et si haut placé puisse montrer un tel manque de compassion me dégoûte. Je ne peux pas me séparer d'Agrippa qui est et qui a été pendant des siècles mon seul lien avec l'au-delà. Veilleur m'affirme qu'il a fait de son mieux pour me libérer de mon exil, mais pour m'aider, il a besoin que je lui remette d'abord Agrippa. S'il était sûr de son plan, je le ferais volontiers, mais comment pourrais-je m'en séparer si mon retour a été refusé? Je sais de quoi ils sont capables, je connais leur tromperie, leur optimisme et leur sentiment le plus désespéré, mais je dois les garder, je dois préparer ma libération. Pour lâcher Agrippa sans le massacrer, Veilleur m'a dit de nourrir avec la tenue quand je suis pas sur ma parlaison. Les mycètes toxiques devaient me servir de paralysant si j'avais trouvé la glande interne dans le coin. Truc terre fertile. Comme d'habitude, je ressens les viscères vitales pour être extrait du sang de n'importe quelle victime humaine torturée. Nous avons des grandes quantités pour la distiller proprement. Rappelez-vous que vous avez collecté lors de la prochaine session de torture. Le tempteur, quant à lui, devrait être plus difficile à obtenir. Sur pas qu'il existe dans le monde, le simple fait d'écrire le mot avec ses lettres sombres froids, je crois que c'est une propriété de la sécrétion de Cairn. Cairnk, qui vit dans l'eau, je devrais m'en parler à Veilleur, car il devrait me fournir un hôte, même un puits bien préparé devrait me suffire à me contenir. Ok, Veilleur, c'est qui? Siècle, on se lire avec l'au-delà. On exil. Agrippa, est-ce qu'il... Il y a un mec dans son... dans sa tête? Ok, donc là, genre un peu, là, on a vu la formule qu'il nous faut pour libérer le mec, quoi, c'est ça? Au final. C'est un peu ça, ok, donc maintenant on a trois endroits, on a trois milieux. Allons là. Ok, donc on va transept, et ça maintenant, allez. Et après, je pense qu'avec ça, on aura peut-être un sphère qui peut nous aider, peut-être pour le goudron, parce que bon, on a comme un goudron, mais du coup, on a trouvé trois objets. Aux aides de savoir c'est quoi les objets, hein, on va juste aller là-bas et dès qu'il y a un objet surbrillant, on se prend. C'est un peu triste, mais voilà, c'est un peu comme ça. Que... 15 August 1839. The blood wards are failing. The shadow beckons, and its cry disarms my actions. Hurry, no time to spare. You have to kill another. Alexander produces a knife. Wants me to cut the flesh. Do it. Save yourself. He is a murderer, Daniel. He is evil. A cold-blooded killer. Hurry. Alexander, you must let me be. I have to concentrate. Take the man. Cut the lines. Cut the flesh. Watch the blood spill. Let it come. Okay. Nu nu nu. Cut the lines. Cut the lines. Please.
one life for another. You hear me, guardian of the orb? I did all this for you. Now, once more, withdraw your shadow from my domain. Ouais, d'accord, et ça a pas marché, j'imagine. Je peux arrêter le flashback, s'il vous plaît, j'en ai marre. Ouais, c'est chiant là, c'est bon, on a compris que c'est flippant quoi, qu'il a fait du sacrifice humain. Et qu'en fait, mais du coup, pourquoi il en veut Alexandre par contre? Parce que du coup, bah, il a fait le truc quoi. Il a pas menti, il a dit ouais, gros, faut que tu fasses ça, il l'a fait quoi. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit après, ouais, en fait, c'est pas bien ce que j'ai fait. Du coup, viens m'aider. Ou alors, il m'a menti, en fait, le rituel, c'était pas du tout ça, c'était un rituel autre. Le rituel, c'était pas pour me sauver, mais c'était genre pour l'élever très loin. Plus que 20 minutes, ça va être un bon épisode au final, parce que une moitié dégueulasse et une moitié on avance bien. Enfin, j'imagine qu'on a bien avancé. Quelle matinée, enfin quelle soirée plutôt. What the fuck. Éloignons-nous des pleurs. C'est géant. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ok. Et on a un monstre. La musique et tout qui te dit il y a un monstre. En même temps, je le vois pas, ça me perturbe. Parce que du coup, je sais pas si je dois en marcher, courir. C'est pas très bien. Hein. Ok. C'était pas très bien. J'ai suivi le mur à droite avant. Ok. Mais ça sert à rien. Attacher l'extrémité des membres des meurtriers au rayon de la roue. Ils ont quasiment fait tourner la roue lentement pour que la corde attachée autour de sa jambe s'étire et lui forme l'os. Il n'avait plus la force de crier, les deux hommes le se regardèrent, tirant le marteau et frappèrent la victime contre la poitrine. Ah. Ok. D'accord, mais du coup, y a rien à apprendre ici en fait. C'est juste du lore. Ah si, il y avait un petit morceau d'or. Oh, 3 millions. J'ai un petit bout de l'or. Peut-être que le goudron, ça va m'aider, non? Genre peut-être un autre morceau d'or. Ou alors il y a vraiment les 6, c'est trop dur. Oh, s'il y a des 6 dans cette zone. Oh, mais quel enfer. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est une plante géante qui a bougé parce que j'ai activé un skit. Merci, je voulais juste prendre ça, moi. Tu peux grimper là-dessus, là? J'ai quand même l'impression qu'on peut aller de l'autre côté, hein. Oh, je vais réussir.
trop bien. Voilà, on est bien là, non? Y'a quoi par là? Je sais pas s'il fallait vraiment passer par là, mais j'ai pu le faire facilement, donc je veux dire, si le jeu il est si broken que ça, c'est chelou. Tissu est assez souple. Comment ça, le tissu est assez souple? Plante de poison. Oh, une vache. Je sais pas ce que j'ai ramassé, hein, mais j'ai ramassé un truc. Ça, ah ouais, la vache de torture, ouais. Non mais je connais ça, t'inquiète pas. En gros, tu mets là-dedans des gens et voilà quoi, tu mets du feu et puis... Champignons toxiques. Est-ce que si je fais ça... Ça... Le reste là-dedans... Bref, en tout cas tu vois, tu te mets là-dedans et... trop marrant. Et après du coup tu... Non, je veux dire, tu tournes, mais non. Il y a un autre... Oula, par contre, il y avait autre chose là-dedans. T'as du gaz là-dedans, non? Un petit bout de l'orbe, là. J'ai trouvé le morceau de l'orbe. C'est l'orbe, ça. Yes. Ah ouais? Ça et ça, ça va pas ensemble? Ok, peut-être qu'il faut tous les morceaux d'orbe, après ça, tu fais genre un petit puzzle. Je sais pas comment c'est, hein, j'ai sauté dans l'eau en mode tranquille, mais en fait y'a rien. Y'a rien à faire dans l'eau. En plus c'est bien, y'a quand même une petite surbrillance qui existe. Du coup ok, du coup j'ai pas eu une grosse chance d'être tombé sur le morceau de l'arbre quoi, y'a vraiment les 6 là-dedans quoi. Faut juste suivre le mur quoi. Et après tu tombes sur une porte et après tu prends la porte et après avoir pris la porte t'as un morceau d'arbre. Mais par contre j'espère vraiment que... Chaque porte égale une orbe hein, et qu'il y a les 6 portes. Qu'il n'y en a pas une au centre. Parce que là, franchement, ce serait vraiment des chiens. C'est vrai qu'il y a le bout du monstre, là, j'entends plus trop hein, le monstre. Hein. Il est où le monstre, là, le Strom? Après, évitons de demander le monstre. Et, car s'il arrive, je vais me chier dessus, donc... Parce que je vois rien donc j'aime pas. Attends, pour l'instant, amusons-nous juste à tourner au rond. Ok. Où il est? C'est une vraie question hein. Où est le monstre? Je me dirige vers lui là? Actuellement? Il est genre juste plus en bas en fait. Je crois qu'il est juste en bas en fait. Car il fait le bruit que quand je suis proche de là. Ah non, il était juste là. Ok. Ok. Okay, heureusement, il n'y a rien là-bas. Il suis déjà allé. Ça va, il est au pire endroit du jeu. Il me fait pas peur. Il m'a surpris. Mais ça va, il m'a pas fait peur. Pas plus que ça, en vrai. Ça va. On ouvre ça, on y va. On prend l'orbe et on se tire d'ici. Je pense qu'il y en a genre 3 peut-être, et après il y a l'autre... Là-bas, dans l'autre pièce. Je sais comment ça s'appelle, le nest truc chouette, là. Attends, avant d'aller dans la cave de torture là, nous en avons juste à... Ok, pourquoi il a traversé l'escalier, je ne sais pas. À regarder autour. Ah ok, il est là l'objet. Je pense que j'ai 3 objets ici. Hein. Ok. Est-ce que c'est genre mortel si j'y vais? Ça me fait peur par contre le bruit. Hein. Ah. Ça fait mal.
J'ai l'air d'être con, mais bon. C'était pour voir, quoi. Bon, ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur. Ça m'a fait sursauter. Je m'attendais pas à qu'il y ait un jumpscare. Je me suis dit, c'est bon, ça m'a fait tranquille. Les autres fois, j'ai vu des petits bruits en mode. C'est tout. Et là, ils foutent un putain de jumpscare. Pourquoi ils font ça? Pourquoi des gens font des choses en fait? Ah, j'ai peur. Non. Pourquoi il y a ça? Je sais pas. Ça me surprend. Bon, en tout cas, il y en avait trois là-dedans, je pense. Il y en avait trois dans le... Il y en aura trois dans l'autre. Si jamais je fais une connerie en disant ça, on retournera là-bas, mais bon, quelle heure il est? 31, ok. Très bien, du coup j'irai là-bas et après on fera la suite dans notre épisode. On ira de l'autre côté, là, dans l'autre porte, et après ça on fera la suite. Plus tard, si ça dure plus d'une heure, tant pis, hein, c'est pas grave. Ça m'apprendra à faire le bolos, à être paumé, alors qu'il y avait juste une trappe à regarder au-dessus. En tout cas, c'est toujours aussi long les temps de chargement. Ça, c'est chiant, ça, par contre. Allez, parce que moi, j'ai envie de lire un petit coup, et du coup, je voulais pas passer toute ma journée, toute ma soirée là-dedans. Sachant que j'ai un peu mon internet à économiser. Ah, t'as encore. Ah, tu sais tout. Ah, je sais qu'il veut faire des trucs chelous avec les autres mondes et tout. T'inquiète. Trois ingrédients secs. Attends, j'ai pas vu c'était quoi les trois ingrédients. Il faut quoi? Un paralysant, une essence vitale. Une scène paralysant. Petit moment transféré, le tempeur. Ah, je crois que le tempeur c'est ça qui manque. Tu vois, je pense que les restes. Qu'est-ce qu'il veut avec? Pourquoi j'ai écrit un truc? Tonique spécial pour le sauver. Ok. Du coup, je peux faire ça? Ok. C'est juste le poisson. C'est juste le poisson, truc dans l'eau là. Le transept. C'est quoi le transept? Ça veut dire quoi transept en fait? C'est genre le transit mais différent? Oh merde. Oh merde, je viens de voir que la moitié du stream ne marchait pas. Oh non. Oh non. C'était pas la bonne soirée pour stream. Je viens de voir que 43% du live a complètement planté. Ouais, du coup, je pense que j'ai arrêté le stream là, hein, sur le temps de chargement, et puis ça arrêtera là. Allez. Internet, quand ça veut pas, hein, ça veut pas.